On est très nombreux aujourd'hui, vous étiez 550 inscrits, donc ça fait des gros flux d'inscriptions et on est ravis en tout cas que vous ayez tous répondu présents, enfin aussi nombreux présents à cette journée. On a énormément aussi d'intervenants qui sont là et qui nous ont fait le plaisir et nous les remercions d'intervenir aujourd'hui tout au long de cette journée. Et donc voilà, on va essayer d'être le plus précis possible en termes de timing. Donc ce colloque, en fait, c'est le résultat d'une belle collaboration entre le Centre Hospitalier Le Vinatier et la Fondation ARHM, ARHM pour Action, Recherche, Handicap, Santé Mentale. Donc ce sont deux établissements locaux. Et donc ce beau partenariat nous a permis, avec le comité d'organisation, de vous proposer cet événement, ainsi qu'une conférence grand public qu'on a organisée hier soir, qui était en ouverture. On était assez nombreux aussi, on avait un petit peu moins de 200 personnes, donc c'était plutôt chouette. Juste pour précision, avant de commencer concrètement, aujourd'hui on est réunis autour d'un sujet qui est difficile. Et donc voilà, si à tout moment, n'importe lequel d'entre vous se sent pas à l'aise, se sent mal, veut sortir, sachez qu'il y a ce qu'on appelait une table de soutien qui est à disposition à la sortie sur la droite de la salle. Et à tout moment, il y a des professionnels du centre hospitalier Vinatier, du centre de prévention du suicide spécialisés qui peuvent échanger avec vous, qui peuvent être là pour avoir une écoute bienveillante, bien entendu. Donc n'hésitez pas à tout moment à sortir si le besoin arrive. Donc concrètement, l'objectif de ce colloque, c'était d'initier, pour nous en tout cas, comité d'organisation, cherche Edouard, il n'est plus là, une dynamique en fait collaborative forte sur le territoire régional, on l'espère, et puis on espère surtout au-delà, parce que vous verrez, on a la chance d'avoir des intervenants qui viennent un petit peu des quatre coins de la France, mais aussi des pays francophones. Et donc voilà, l'idée, c'est d'aller en amont sur cette... et d'avancer, et vraiment de... dynamiser le travail autour de la postvention. Qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Et pour ce faire, en fait, il y a quelques éléments qui sont assez importants pour nous. Vous êtes très nombreux, et donc vous tous, si je ne dis pas de bêtises, en majorité, on a beaucoup de professionnels, de bénévoles, on a aussi pas mal d'étudiants dans la salle. Et en fait, tout ce que vous pouvez nous apporter, on va dire, dans votre pratique, sur vos besoins, vos limites, vos idées, vos attentes sur le sujet de la postvention, nous intéresse. Et très concrètement, on vous enverra dans la semaine un questionnaire numérique. L'évaluation rapide de cette journée, mais surtout pour recueillir en fait, voilà, toutes ces choses-là, vos besoins, vos attentes dans votre pratique. Et ce matériau-là, on espère que vous serez très nombreux à y répondre, nous servira un petit peu aussi d'outils de travail, puisqu'on est en train de monter un groupe régional avec l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet de la postvention. Voilà pour ça. Je vais vous donner enfin quelques informations très concrètes. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de s'émarger, on va laisser les feuilles d'émargement toute la journée. L'émargement, il est important, bien sûr, pour nous en suivi et en évaluation, mais aussi pour vous, si vous souhaitez des attestations de présence, l'émargement est nécessaire. On ne pourra pas vous délivrer d'attestation de présence sinon. Et donc, les attestations de présence, elles seront disponibles cet après-midi. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, à vous manifester et à émarger. Voilà pour ça. Également, vous avez peut-être vu à l'extérieur, était en train de s'installer. On a la chance d'avoir la chronique sociale qui est là aujourd'hui. Donc, ils ont proposé une table de documents, de livres qui peuvent être achetés pour la majorité sur la thématique de la postvention et sur des thématiques connexes. Donc, n'hésitez pas. Le monsieur sera là toute la journée pour répondre à vos questions et puis pour échanger sur ce sujet. Également, on a une collègue documentaliste qui sera présente, qui a constitué une table de plaquettes, de flyers, de ressources sur le sujet. Et ils sont, pour le coup, ceux-là en libre service. Et elle aussi, elle est à votre disposition toute la journée. Enfin, la journée, elle est filmée. Il y a une captation vidéo. L'idée, c'est que les conférences qui vont avoir lieu, peut-être, on espère, elles servent au plus grand monde. Donc, voilà, il y a une captation. Les participants ne sont pas du tout filmés pour information. Mais voilà, vous l'avez. Et vous pourrez retrouver les vidéos, on vous les enverra sous forme... Enfin, ce sera un peu les actes de cette journée dans les semaines qui vont arriver. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et donc maintenant, je vais laisser la place à M. Pascal Mariotti, qui est le directeur du centre hospitalier Le Vinatier, et qui nous fait le plaisir d'ouvrir cette séance. Vous me faites surtout les uns et les autres...
l'honneur de m'avoir invité à l'ouvrir. On adapte toujours les mots d'introduction au public et aux circonstances quand on arrive dans une manifestation de cette importance. Et je dois dire qu'effectivement, tant le nombre que la diversité du public que vous m'avez souligné illustre bien l'importance du sujet à tout point de vue, tel que vous avez commencé de l'évoquer hier. Alors, comme je suis forcément plus généraliste que vous-même, je reviendrai plutôt dans mon propos introductif et sans prétention sur quelques éléments de politique générale à la fois nationale et locale. Et j'embrasserai plus largement la question de la prévention, qu'il s'agisse de celle du suicide, de la récidive suicidaire, et bien entendu ensuite de tous les éléments de post-vention, de la post-vention, avec toute la sensibilité de ce sujet que vous abordez depuis hier et que vous allez élargir aujourd'hui. Alors, ce que je retiendrai, vous avez souligné le fait que cette initiative, elle associe très étroitement dans un cadre prioritairement Saint-Jean-de-Dieu, ARHM, le Vinatier, puis de nombreux autres acteurs de nos territoires, mais également plus distants et pour partie France entière. Donc je soulignerai surtout que cette initiative, elle montre bien sur un sujet qui est devenu central, y compris de par le retard que nous avions accumulé dans notre pays, central donc en termes de convergence également des institutions et des acteurs. Alors, quelques mots. Premièrement, je serais tenté de m'exclamer, enfin, le sujet, on le sait, n'est pas nouveau. Il est traité par différentes institutions et par différents acteurs, et nous savons que c'est le cas, notamment à Lyon. C'est loin d'être le cas partout dans notre pays, et nous savons que, de façon générale, comparé à d'autres pays, nos résultats ne sont pas bons, même s'ils sont en amélioration. Le retard de ces résultats par rapport à d'autres pays, qui soulignent également le retard de la prévention dans notre pays, mais pas que, est souvent souligné par l'ensemble des acteurs de la santé publique, sans que finalement, et j'ai fêté l'année dernière mes 30 ans d'hôpital, on ait beaucoup progressé, quoi qu'on en dise, en matière de politique de prévention. Si je me penche plus directement sur mon sujet de prédilection, en l'occurrence la psychiatrie dans la santé mentale, le constat que nous sommes un certain nombre et sans doute de plus en plus nombreux à faire, et je pense qu'il s'applique à notre sujet, c'est pendant longtemps le défaut de politique publique, je dirais plus précisément de politique de santé publique, et notamment pour la psychiatrie, étendue au sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Je glisserai au passage, puisque nous sommes beaucoup d'acteurs de santé, qu'effectivement, le sujet que vous abordez conduit la psychiatrie, quand elle n'en prend pas elle-même l'initiative, à se définir en tant que telle, mais dans le concept et le cadre concret plus large de la santé mentale. L'assistance en est la démonstration même. Pour autant, et on le voit bien, pour progresser sur des sujets comme la prévention du suicide, de la récidive suicidaire, pour progresser également sur la post-vention de cette crise, il s'agit bien de fixer des objectifs à la psychiatrie dans la santé mentale, mais la psychiatrie dans la santé mentale, pour moi, même si je l'appelle de mes voeux, puisque ça emporte opportunités et contraintes d'adaptation pour la psychiatrie, définir la psychiatrie uniquement dans ce cadre-là ne saurait tenir lieu d'orientation de politique publique pour la psychiatrie elle-même, parce que la situation, on va dire, de crise qui est celle de la psychiatrie aujourd'hui dans notre pays exige évidemment plus et mieux et exige une véritable politique de santé publique pour la psychiatrie et non pas uniquement sa redéfinition au sein de la santé mentale. Pour parler plus précisément de notre sujet aujourd'hui, et mon propos précédent n'était pas complètement innocent, il me semble que depuis quelques années, avec un effet d'accélération depuis 2 à 3 ans, les questions de pré et de post-vention du suicide et de la crise suicidaire me semblent être la première expression, ou avoir été, ou être encore,
la première expression depuis bien longtemps d'une politique nationale en matière de santé publique appliquée à la psychiatrie, appliquée à la santé mentale, dont nous voyons bien dans les différentes régions qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a politique, elle est en cours de mise en œuvre et en voie de généralisation dans l'ensemble des régions et par les ARS. Le phénomène n'est pas si commun, si généralisé, il est plutôt exceptionnel. On l'appelle de nos voeux sur d'autres sujets depuis les établissements, pour que je ne le souligne pas. Puisque aujourd'hui, ces politiques, effectivement, et je pense que ce sera souligné dans l'intervention suivante, sont relayées par les ARS. Alors, je pense que si on en est arrivé là, comme souvent, les faits ont précédé le droit, en quelque sorte, ou les faits ont précédé les politiques publiques, comme souvent dans notre pays. C'est aussi la conséquence du défaut de prévention, ou de politique de prévention. Et donc, si nous en sommes là, nous le devons aux acteurs, dont nous savons que nombre d'entre eux ont été militants et précurseurs, en particulier à Lyon. Ça m'est l'occasion, sans vouloir évidemment citer grand monde, ce serait fastidieux, de saluer Jean-Louis Terra, de saluer également Emmanuel Poulet dans la continuité, de saluer aussi, parce que le Nord n'a pas été pour rien dans la promotion de cette politique publique, Guillaume Veva, ici présent, et militant en de nombreuses instances de cette politique de prévention et de prise en charge du suicide et de ses suites. Pour conclure, évidemment, et on le voit bien aujourd'hui à travers cette initiative conjointe, c'est aussi la responsabilité des institutions hospitalières. L'institution se définit d'abord par ses acteurs, donc par tous autant que vous êtes, quand vous venez de nos propres institutions, que ce soit les institutions citées, que ce soit aussi évidemment toutes les autres institutions qui participent au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors concernant le Vinatier, la chose est acquise depuis un certain temps. Elle doit continuer de se développer à travers le nouveau projet médical qui vient d'être adopté. Il en est de même aujourd'hui à la RHM et à Saint-Jean-de-Dieu, je vais dire plus précisément pour la partie hospitalière de la Fondation. Alors c'est vrai qu'il me revient en quelque sorte d'excuser l'absence d'Agnès Marie Égyptienne, ma collègue, mais je crois que le propos qui est le mien, elle aurait pu aussi le tenir, puisqu'il n'est pas mystère qu'aujourd'hui sur la place de Lyon, de la métropole et du département, nous sommes proches, nous partageons les mêmes objectifs, les mêmes politiques, et nous agissons de concert, ce qui, après tout, est aussi peut-être un peu nouveau, et traduit effectivement un vent qui n'avait pas toujours soufflé jusque-là, et qui se caractérise notamment dans la communauté psychiatrique de territoire, qui n'est pas faite que pour les établissements psychiatriques, mais pour l'ensemble des acteurs. Et c'est à cette condition-là que nous agirons de concert et que nous réussirons la mise en œuvre des politiques de santé publique dont je parlais, et en particulier celles qui nous préoccupent aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Du coup, j'excuse pour ma part Madame Agnès Marie Égyptienne, qui est la directrice générale de la Fondation RHM. Et donc, voilà, en son nom, je me permets de vous souhaiter un très bon colloque. C'est le petit mot qu'elle m'a fait passer. Voilà, j'appelle maintenant le docteur Chantal Manoni, qui est médecin de santé publique à l'Agence régionale de santé, référente de la prévention du suicide à la direction de la santé publique. Alors, comme je suis petite. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers confrères, un grand merci pour nous avoir invités à cette allocution. Comme vous l'avez souligné dans vos propos, c'est vrai que la prévention et la postvention restent des axes essentiels à développer dans nos politiques publiques pour consolider notamment la prévention du suicide. Alors, je partage les propos qui ont été tenus sur le fait que la prévention n'est pas assez portée en France. En région, on essaye d'en défendre le périmètre et le savoir-faire. Et un certain nombre d'acteurs sont néanmoins fortement mobilisés autour de ces politiques de prévention et notamment celle du suicide. Et donc, si on fait un petit retour en arrière, je voulais souligner qu'en 2015, on a eu 900 décès par suicide dans la région. Si on regarde les accidents de la route, puisqu'on va toujours chercher cette comparaison, on en a eu 444. Donc ce serait bien, effectivement, qu'on puisse développer autant d'efforts en prévention du suicide que pour limiter les décès par accident de la route.
900 décès par suicide, ça ferait 6 300 personnes endeuillées pour la même année. Et en termes de personnes impactées, il s'agirait de 22 à 27 000 personnes qui seraient impactées dans notre région pour l'année 2015. Donc, effectivement, nous avons du travail. Notre région compte aussi, vous l'avez souligné, sur l'implication d'experts, d'associations qui sont engagés vraiment de longue date autour du suicide et de sa prévention, mais encore du soutien aux endeuillés. L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a engagé un travail important de mise en cohérence des actions depuis l'évaluation réalisée par le Haut Conseil en santé publique au niveau national et pour consolider sa stratégie de prévention du suicide, qui reste une des priorités dans le schéma régional de santé 2018-2023. Effectivement, hier, dans la soirée, on soulignait que beaucoup d'efforts sont mieux portés quand il y avait une meilleure organisation des différentes actions et de mise en cohérence. Et vraiment, depuis 2015, on s'est vraiment attaché à ce que cette mise en cohérence se fasse aussi bien au niveau régional qu'au niveau infrarégional et dans la proximité. C'est pour ça qu'on essaye de mettre en place la stratégie multimodale recommandée par le ministère. Et en région, cette stratégie va coupler le renforcement de notre pilotage, aussi bien au niveau régional qu'au niveau infrarégional, une meilleure connaissance du suicide, puisqu'on sait que les données nationales ne permettent pas toujours, même si elles sont précieuses, de travailler au niveau local. Donc nous avons un observatoire régional du suicide depuis 2013 et nous renforçons au fur et à mesure des années la capacité à comprendre le phénomène du suicide dans notre région. Un certain nombre d'experts y participent et je les remercie ici. Nous implantons de façon progressive le dispositif de recontact, donc initié par nos collègues lillois, autour des 4 CHU de la région, dans une belle coopération avec un groupe de travail qui fonctionne depuis juillet dernier, de manière à renforcer effectivement le soutien aux personnes ayant réalisé une tentative de suicide. Nous implantons aussi des formations dont le contenu a été renouvelé et qui s'appuie évidemment sur les efforts initiés de longue date par un certain nombre d'entre vous en région. Nous tentons aussi d'apporter des réponses avec l'équipe de Papageno face aux hotspots, comme celui du viaduc de Nantua. Ça n'est pas simple du tout, mais avec ténacité, nous ne lâcherons pas. Le renforcement des réseaux de proximité fait aussi partie d'une stratégie multimodale. Et pour ce faire, on s'appuie sur les réseaux associatifs implantés localement, la mise en cohérence avec les conseils locaux de santé mentale, la mise en cohérence avec les contrats locaux de santé et la mise en cohérence avec les futurs projets territoriaux de santé mentale. Dans les territoires prioritaires, qui sont quand même 6 sur 12 dans notre région, puisque les moyennes régionales gomment des disparités importantes, eh bien, il faudra qu'il y ait un axe prévention du suicide dans la programmation des projets territoriaux de santé mentale. Ce renforcement des réseaux de proximité se fait avec l'appui des associations locales, je vous le disais, mais aussi l'IREPS et ses antennes qui sont implantées localement. À ce jour, dans notre direction, donc la direction de la santé publique, nous finançons 16 actions directes en prévention du suicide pour un montant de plus de 900 000 euros et un peu plus de 20 actions aussi indirectes concernant plus largement la souffrance psychique et le repérage pour plus de 900 000 euros. On pourra toujours dire que ça n'est pas assez et en même temps, nous faisons en sorte pour capter plus de financement de notre côté. Même si nous finançons déjà quelques initiatives en matière de postvention, ce champ reste à consolider, vous l'avez tous souligné, notamment dans les départements les plus vulnérables de notre région. Nous avons inclus la postvention dans le schéma régional de santé. Nous poursuivons notre participation au groupe de travail national animé par la DGS avec un certain nombre d'experts autour de la contagion suicidaire. Et nous avons confié à l'Institut régional Jean Bergeret un état des lieux de l'existant et des besoins en région concernant la postvention, en ayant une attention particulière, je vous le disais, aux territoires les plus vulnérables. Il restera à tenir compte également dans la stratégie et les actions à engager de mieux prendre en compte les inégalités sociales de santé, dimension que nous allons objectiver cette année dans les travaux de l'Observatoire régional du suicide. En effet, nous sommes attachés à ce que les actions de prévention bénéficient à tous et permettent de réduire les écarts existants entre les catégories sociales notamment.
Cette journée sera importante pour tous les acteurs. Merci de l'avoir organisée et nous permettra d'enrichir nos réflexions et d'avancer sur ce sujet. Bonne journée à tous. Merci, docteur. J'appelle maintenant le professeur Jacques Védrine, professeur émérite de médecine légale à l'Université Lyon 1 et président fondateur du groupement d'études et de prévention du suicide, le GEPS, en France. Bonjour tout le monde. On vient de me présenter comme un des fondateurs du groupement d'études et de prévention du suicide. Effectivement, c'est il y a 50 ans, on a fêté le cinquantenaire à Paris il y a quelques mois, qu'a été créé ce groupement avec Jean-Pierre Souvrier et Pierre Moron. Dans la foulée, si je puis dire, des exemples nord-américains qui vont faire l'objet du début de mon propos. Mais tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée, en particulier la jeune équipe du GEPS. On les appelle les J-GEPS. Docteur Laune, docteur Notre-Dame, docteur Grand-Genèvre. Et c'est une grande satisfaction pour moi de voir qu'après 50 ans, la relève est assurée. Elle l'était déjà par Guillaume Veva, Catherine Massoubre, mais enfin, la suite me paraît tout à fait bien assurée. Et remercier également les organisateurs institutionnels, à savoir l'hôpital du Vinatier, le centre de prévention du suicide du Vinatier, avec le professeur Terra et le professeur Coulet, et également l'Institut régional Jean Bergeret, ex-centre Jean Bergeret, avec le CRPCS, dans lequel j'ai été amené à collaborer pendant un certain nombre d'années, et en particulier en soutenant fortement un groupe d'endeuillés qui a perduré un certain nombre d'années bénévolement avec le concours de Christine Vaquier, Madame Grison-Querinier, Anne Segond-Pozo, etc. Si je dis ça, c'est que les tutelles ont mis du temps à reconnaître l'intérêt de ce type de prise en charge groupale, et je suis tout à fait heureux de constater qu'actuellement, la reconnaissance officielle est acquise et que ce groupe a pu reprendre après quelques années d'interruption. En guise d'introduction, alors c'est peut-être pas très, très drôle, mais c'est la lecture de quelques notices nécrologiques. Vous savez qu'il faut bien que les familles rendent compte du décès d'un de leurs proches dans la presse. Et j'ai relevé dans un grand quotidien du soir un certain nombre de mentions de ce type de décès, ce qui est assez rare parce qu'en général, évidemment, la tendance est plutôt au camouflage. Par exemple, en finir avec la vie, renoncer à la vie, a choisi de nous quitter. Et puis, plus récemment, une beaucoup plus élaborée. C'est une femme, une mère de famille, a été abandonnée par une vie avec laquelle elle ne pouvait plus communiquer. En dessous, il y a les prénoms de trois enfants, deux filles et un garçon. Trois enfants inconsolables qui ne peuvent comprendre. Nous essaierons, c'est surtout le père, bien sûr, de les soutenir avec tout notre amour. J'ai trouvé que cette manière de rendre compte de ce drame, de cette tragédie familiale, était particulièrement élaborée. En plus, elle était précédée d'une citation de Nietzsche. « Si tu regardes longtemps dans l'abîme, l'abîme aussi regarde en toi. »
dans le par-delà, le bien et le mal. Bon, c'est un petit peu pour commencer, donner un certain ton à cette journée. Mais bien sûr, on m'a demandé de donner quelques indications historiques sur la postvention. Terme, Jean Furtos me disait tout à l'heure qu'il était peu adéquat, qu'il était relativement peu engageant, même si c'est la contraction de post-prévention. Enfin, bon, c'est comme ça que ça a été dénommé et qu'il est toujours en vigueur actuellement. Le suicide est une mort violente. Ça peut paraître, pour certains, pas évident. Pendant longtemps, le suicide ne figurait pas dans les ouvrages consacrés à la mort violente, que ce soit en France ou ailleurs. En fait, c'est une mort violente physiquement, hein, même quand il s'agit de suicide par médicament, et une mort violente psychiquement, car, comme nous le verrons tout au long de la journée, le message qui est lancé par le suicidé atteint au plus profond et les proches et l'entourage en général. Alors, deuil, endeuillé, deuil. Actuellement, le discours ambiant, que ce soit après les catastrophes collectives, les attentats terroristes, que ce soit après certains accidents, on dit qu'il faut faire son deuil, c'est pas faire son deuil, comme si c'était quelque chose qui doit être obligatoire, qui doit être un processus qu'on doit obligatoirement suivre pas à pas et aboutir à ce que ce soit clos à un moment donné pour que le sujet puisse reprendre sa vie comme auparavant. En réalité, c'est un raccourci, c'est devenu un véritable slogan. Et comme vous le savez, ce deuil passe toujours par un certain nombre d'étapes qui ont été bien écrites par Freud et puis ensuite par d'autres qui ont bien souligné, en pratique, trois étapes principales, l'étape du déni, l'étape avec la colère, l'étape de la dépression, avec toute la... problématique du questionnement sur la relation à l'autre, et puis enfin l'étape du retour à la vie, l'étape de la réorganisation et de la reprise de du mouvement psychique, certainement différent de ce qu'il était auparavant, mais qui permet à l'entourage de continuer à mener une vie tout à fait positive. Alors, ce terme de postvention, d'où sort-il ? Eh bien, en réalité, c'est un terme qui a été créé par nos collègues nord-américains, qui étaient très en avance. L'équipe de Los Angeles, que Jean-Pierre Souvrier, moi-même et Jean Furtos aussi, ont pu rencontrer, n'est-ce pas, plus ou moins longuement, ont été de véritables pionniers. La fin des années 50 et les années 60, vous voyez que ça remonte quand même à pas mal de temps, et en particulier Edwin Schneidman, qui était un professeur de psychologie, qui travaillait beaucoup sur la mort, s'est orienté à partir de 1957 sur le suicide, et au fil des ans, en particulier après l'articulation avec le médecin légiste de Los Angeles pour mieux préciser les causes de la mort et en particulier le suicide et réaliser ce que l'on appelle d'un terme discutable, l'autopsie psychologique. On peut préférer enquête rétrospective, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, bon, là encore, ce terme est en cours, est en vigueur encore à l'heure actuelle. De nombreux travaux ont été faits sur ces autopsies psychologiques. Au début, c'était dans une optique scientifique, rencontrer les proches. On sait que tout suicide a un impact au niveau de différents cercles concentriques,
tout d'abord les proches, véritablement. Alors il y a des moyennes qui sont faites, on dit 7 ou 8 proches, et ensuite il y a un entourage plus large, deuxième cercle, troisième cercle, alors ça varie entre 20, 30, etc. Ça me paraît assez vain, ce type de chiffrage. Ce qui me paraît plus important, c'est l'impact que peut avoir même sur quelqu'un qui est assez éloigné de la personne qui s'est suicidée, mais qui avait avec elle des liens de, non pas de fascination, mais enfin, qui représentaient un modèle, une image, un exemple, et qui peut être fortement impacté par ce suicide. Donc, ce type de recherche, ils se sont rendus compte que les gens souffraient, bien sûr, on en reparlera toute la journée, qu'il était nécessaire, peut-être quand même, de prévoir une suite, de prévoir des possibilités de prise en charge. Et c'est ainsi que le terme de postvention, avec l'autre terme survivor, les, ceux qui restent, chez nous, on préfère parler de ceux qui restent, qu'en effet, ça me paraît beaucoup plus évocateur de la souffrance des proches du suicidé. Alors, est-ce que le deuil par suicide est un deuil différent, est un deuil spécifique par rapport aux autres types de deuil? Après tout, les familles endeuillées après des attentats terroristes, après une catastrophe collective, ou des familles endeuillées à l'occasion d'une disparition, qui peut être un suicide, mais qui peut être aussi des tas d'autres choses. Est-ce qu'elles sont, dans leurs expressions, dans leurs manifestations cliniques de souffrance, très différentes de celles après un suicide? Si j'ai ça, c'est que plusieurs études, en particulier nord-américaines, à la suite des travaux de Schneemann, ont voulu contester la spécificité de la mort par suicide. Ces études, en réalité, quand on les lit un peu de près, sont relativement partielles, biaisées, échantillons relativement faibles, trop homogènes, références cliniques, symptomatiques relativement simplistes et grossières, questionnaires qui sont tout à fait incomplets, suivi à long terme qui est notoirement insuffisant. Et le consensus actuel, c'est que certes, le deuil après suicide ressemble beaucoup à des deuils après un traumatisme, après une mort traumatique, mais qu'il comporte des singularités précisément du fait de ce qui a pu se jouer entre le suicidé et tel ou tel membre ou la famille dans son ensemble. Et à propos de la culpabilité, par exemple, il est important de pouvoir dépasser cette dernière, travailler cette dernière, et à la question tournant autour de cette culpabilité, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour empêcher, qu'est-ce que je n'ai pas fait, préférer la question, qu'est-ce que le sujet suicidé a emporté de moi dans le geste, qu'est-ce que le suicidé, la part de moi-même, sur laquelle je peux travailler plus que me morfondre dans la honte et le repli. Honte et repli qui relèvent, bien sûr, entre autres, d'une stigmatisation sociale. Stigmatisation sociale qui remonte au fil des siècles, elle est ancestrale et qui n'est pas totalement disparue, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Enfin, au point de vue historique, le problème des endeuillés chez nous est repris beaucoup plus récemment. Il l'a été dans le cadre du rapport Debout du Conseil économique et social en 1993, dans le cadre des travaux du GEPS à Saint-Étienne en 1995, ce qui reste. Il a été repris dans le cadre du Sénat, comme on va vous en parler.
Et maintenant, peu à peu, des groupes d'endeuillés se mettent en place. Une association a été particulièrement pionnière, c'est l'association Vivre son deuil, et les travaux de Michel Anus concernant le deuil après suicide sont tout à fait remarquables, de même que ceux de notre collègue canadienne, Monique Seguin, et suisse, Madame Castelli-Dransart, qui interviendra cet après-midi. Je dois m'arrêter, si je comprends merci bien. Beaucoup, oui, je suis simplement, un mot pour compléter le problème du suicide des enfants, des parents, le problème des enfants dont les parents se sont suicidés. Je crois que là, je ne sais pas s'il va en être question aujourd'hui, mais c'est une question fondamentale. Car enfin, des enfants de 3 à 15 ou 16 ans, c'est un traumatisme considérable. L'approche, la prise en charge est complexe, difficile et mériterait presque une séance particulièrement dédiée à ce problème. Quant au suicide en institution, suicide des patients, mais aussi suicide des soignants, le suicide des internes en général, hein, pas seulement en psychiatrie, mais dans toutes les spécialités, commence à être préoccupant. Et les associations d'internes, effectivement, font des enquêtes et préconisent des prises en charge spécialisées. Donc la tâche est considérable. Et simplement pour conclure, je voudrais dire que le rôle de la médecine légale est extrêmement important, car le premier contact des familles avec le médecin, c'est le médecin légiste, c'est le médecin qui permet de représenter un peu le dernier témoin, c'est celui qui est chargé un petit peu de d'induire un principe de réalité, et c'est l'accueil au niveau des instituts de médecine légale qui est souvent mal réalisé, qui provoque un surcroît de souffrance, alors qu'en réalité, il devrait être le début de la prise en considération et de la prise en charge des familles de suicidés. Merci beaucoup, professeur. Donc, je suis voilà. Désolée, on va devoir arrêter, on est vraiment donc, hors voilà, temps. Je lance des pistes, n'est-ce pas, à partir de cette brève introduction. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, merci. On va faire rapide avec Edouard. Je suis Amandine Bateau, donc je suis psychologue chargée de mission à l'Institut régional Jean Bergeret. Et pour introduire, je te laisserai la parole après Edouard, pour introduire, on est très content de vous voir aussi nombreux. On était, faisant partie du comité d'organisation, on est très surpris qu'il y ait autant de monde qui se soit intéressé à cette thématique. Ça montre bien l'engouement que les professionnels, les bénévoles peuvent avoir pour la postvention. C'est la première fois aussi où des gens nous demandaient de témoigner, nous demandaient de présenter leurs travaux sur la postvention ou même de participer à la réflexion régionale qui va suivre ce colloque. Donc on est ravis et de marquer la réflexion pour qu'est-ce que sera la postvention de demain. Je laisse la parole à Edouard Lonne pour le moment chiffre. Rebonjour à tous, merci beaucoup au professeur Védrine qui a mis en avant tout le côté historique de la postvention. Il ne s'agit pas aujourd'hui effectivement d'oublier, au contraire de prendre en compte tout ce qui a pu être fait auparavant. Et vous avez, monsieur Védrine, parlé d'un grand monsieur, d'un très grand monsieur, Edwin Schneidman, qui était effectivement professeur de psychologie à Los Angeles et qui a créé avec Robert Lippmann et Norman Farberow en 1958 le premier centre de prévention de suicide au monde. Et c'est lui qui a inventé ce terme de postvention en 1969. Donc vous voyez, c'est des années en neuf. Et monsieur Schneidman est mort il y a 10 ans, dans cette idée de voir ce qui s'est fait depuis 10 ans. Et ben, il y a 10 ans, malheureusement, ce monsieur est décédé et il nous a apporté beaucoup. Et une chose, effectivement, qu'Edwin Schneidman a dite, c'est qu'en moyenne, lorsqu'il y avait un suicide, c'était 6 personnes qui étaient impactées, 6 proches, avec cette idée que, en général, entre les amis, la famille, cela faisait 6. Et puis, au fil des années, finalement, ce chiffre a été revu un petit peu à la hausse en disant que, on voyait bien qu'un suicide, entraînait davantage d'impact que uniquement pour 6 personnes. Et souvent, c'est le chiffre de 26 qui est ressorti.
Et c'est ce chiffre qu'on a même mis nous-mêmes dans l'argumentaire pour vous dire combien il est souvent répété. Et l'association américaine de suicidologie, effectivement, est très en avance sur les questions de postvention, mène beaucoup de travaux. Et le chiffre actuel, c'est l'équipe de Julie Serrel dans le Kentucky, qui est l'actuelle présidente de l'association américaine de suicidologie, qui a fait une étude et qui a trouvé que ce n'est pas 6, ce n'est pas 26, c'est 135 personnes. Quand il y a un suicide, c'est 135 personnes qui sont impactées. Et elle a, avec son équipe, modélisé ce qu'on va appeler le continuum d'impact, je vous le dirai après. Mais voyez, cette idée que finalement, ce ne sont pas uniquement des proches, ce sont plein de gens qui vont être touchés, impactés de différentes manières par un suicide. Et c'est ce continuum d'impact qu'on va essayer de développer aujourd'hui. C'est pour ça que la journée est faite en trois parties. Une première partie sur les endeuillés, ceux qui sont dans le plus petit cercle, les endeuillés à long terme, ceux qui vont être touchés parce qu'ils sont les plus proches. Il y aura également les endeuillés à court terme, qui sont des personnes qu'on pourrait dire peut-être un petit peu moins proches, mais qui peuvent être aussi des soignants ou des personnes qui accompagnent, en fonction du lien qu'on pouvait avoir avec la personne. D'accord, quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, quelqu'un qu'on a accompagné très fortement. Et puis ensuite, il y a les personnes qui vont être affectées par le suicide. D'accord, quand quelqu'un se suicide, on a eu le cas récemment, malheureusement, d'un chirurgien qui s'est suicidé à Paris. Et ben, bien sûr que ça va toucher un ensemble de personnes au-delà des proches, au-delà de ceux qui le connaissaient. Ça va toucher la communauté des chirurgiens, la communauté des médecins, la communauté hospitalière. D'accord. Et puis ceux qui seront exposés au suicide, encore plus loin, ceux qui vont en entendre parler, qui ne sont pas forcément des chirurgiens, pas forcément des médecins, mais cela va toucher. D'accord. Et parmi ceux qui sont exposés, il pourrait y avoir des personnes fragiles, vulnérables, avec ce qu'on voit, on en parlera cet après-midi, la question de la contagion suicidaire, hein, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir s'engager dans des conduites suicidaires après avoir été exposées par les médias ou par d'autres biais à la question du suicide. Donc l'idée cette journée, par rapport à il y a 10 ans peut-être, c'est d'aller encore au-delà de la question des endeuillés. Elle est très importante, on passera du temps là-dessus ce matin, car bien sûr ils sont les plus touchés, mais c'est aussi d'aller vers les soignants. Dans le milieu institutionnel, on vous donnera un certain nombre d'exemples de à quel point un suicide peut impacter énormément de monde. Alors, il y a 10 ans, pour rebondir sur ce que vous disait le professeur Védrine, s'est tenue au Sénat une audition publique sur ce qui s'appelait pas encore à l'époque la postvention. De nombreux professionnels de terrain étaient venus témoigner, des experts en suicidologie, et ils avaient pu faire part de leurs pratiques de terrain sur différentes thématiques. Ben, qu'est-ce que c'est le deuil quand on fait face à un suicide? Quel impact sur l'entourage? Comment on pouvait soutenir? Quelles étaient les différentes techniques pour soutenir les personnes endeuillées? Comment pouvait-on aussi accompagner un passage à l'acte suicidaire quand cela avait lieu en milieu scolaire ou en milieu carcéral? Cette audition publique avait pu aboutir à la mise en place d'un certain nombre de recommandations qui partaient sur 4 grands thèmes: formation et recherche, prévention, avec tout ce qui était information, sensibilisation des publics, formation des professionnels, l'amélioration aussi des prises en charge, de soutien, d'aide et de soins, des propositions également institutionnelles. Et le... Et du coup, aujourd'hui, en fait, le but de ce colloque, c'est justement de faire le point à 10 ans, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport aux recommandations, à travers tout un tas de témoignages que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui, faire le point, où est-ce qu'on en est 10 ans après, et voir comment on peut aussi construire la postvention de demain. Vous l'avez vu sur la diapo précédente qui s'est baladé un petit peu. Qu'est-ce qui a changé aussi depuis 10 ans? C'est que l'Organisation mondiale de la santé a proposé un certain nombre de recommandations pour la prévention du suicide au niveau national, pour l'ensemble des pays. Et vous le voyez, il y a un des points qui s'appelle la postvention. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des recommandations pour que la postvention, ce terme inventé en 1969, soit aujourd'hui partie prenante des programmes nationaux de prévention du suicide. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'une prévention nationale, une stratégie nationale, elle implique un certain nombre d'acteurs, elle implique de nombreux acteurs, et c'est pour ça, je pense, que vous êtes si nombreux aujourd'hui, c'est parce que vous avez aussi, à votre manière, envie de vous impliquer, que vous êtes sans doute déjà impliqué dans ces questions-là.
On parlera aussi de recherche aujourd'hui, parce qu'un certain nombre d'entre nous sont des chercheurs. La recherche en postvention, vous voyez, a grandement augmenté. Hein, depuis le début des années 2000, il y a énormément de travaux, de plus en plus de travaux qui sont menés. L'idée, c'est de pouvoir continuer, de pouvoir avancer aussi du côté de la recherche pour pouvoir améliorer nos pratiques, modifier nos pratiques. Donc, on vous décrira aujourd'hui un certain nombre de résultats, de projets de recherche qui sont plus ou moins avancés, mais qui nous permettent en tout cas de savoir aujourd'hui comment améliorer la prise en charge des personnes endeuillées, des personnes affectées, des personnes exposées au suicide. Ce qu'on vous propose, c'est de commencer. On a déjà dit beaucoup de choses, on a posé un certain nombre de bases, mais on va commencer sur la matinée avec la question de la prise en charge des endeuillés et de tout ce qui peut exister aujourd'hui et de ce qui devra peut-être exister à l'avenir pour soutenir et accompagner les endeuillés par suicide. Merci à tous. Très bien.